RTCI nous réunit. À quoi sert de signer une augmentation si l'entreprise demain sera incapable d'exécuter ces augmentations? Qu'avons-nous fait pour préparer le paiement de ces augmentations? Moi, je peux vous assurer aujourd'hui que le secteur n'est pas du tout capable d'assumer ces montants-là. Donc, il y a un sérieux problème, il y a un grand malaise. Nous ne pouvons pas continuer à ignorer l'industrie en général et le textile en particulier. Notre décision s'inscrit dans une dynamique patriote. Le problème n'est pas l'augmentation en soi, mais c'est les conditions qui ont autour maintenant l'exercice de l'activité textile. Il faudrait se mettre sérieusement autour de la table avec nos confrères de l'UGDT, avec les pouvoirs publics, dresser une feuille de route, une stratégie pour redresser le secteur, chose que nous avons déjà proposée il y a 2 ans. On nous promet des mesures à travers un CMR depuis juin 2015, rien n'a été fait.